Message pas pour tout le monde, pour ceux qui sont dans ce qu'on appelle les relations sacrées. J'adore cet oracle. Franchement, c'est la destinée des flammes jumelles de la douce Piti. Franchement, il est d'une beauté cet oracle. En tout cas, il me plaît beaucoup. Déclic et prise de conscience. La personne que tu aimes, ton autre, a enfin le déclic et a une prise de conscience. Ouais, il est super lourd. Libération des blocages. Il se libère. Regarde, ce sont des phénix, l'auto des cartes. Blocage de la mémoire émotionnelle. Il a longtemps été bloqué dans ses propres émotions, dans ses propres peurs, dans son propre passé. Mais en tout cas, il crée, il se met en position, il avance et on te dit que justement, il se déplace. Il se réalise en fait. Eh ben. Il était en pleine ébullition mentale. On parle de l'acceptation de l'autre. Il accepte enfin les sentiments qu'il a pour toi. Il accepte enfin de se réaliser par lui-même, tout comme toi tu l'as fait. Mais c'est surtout aussi accepter de ne plus vouloir être dans des vieux schémas répétitifs, d'être toujours avec le même genre de personne, le même genre de relation, les mêmes cycles en fait. Mais ça peut vraiment toucher toutes les sphères de sa vie. Amour, professionnel, sentimental, amical, familial, peu importe. En fait, il a toujours été dans ces formes de répétition de schéma qui étaient clairement à l'encontre de lui. Et en plus, on voit bien, il a pris la mauvaise voie. Il n'a pas pris la bonne direction. Mais votre amour est tellement protégé. Je ne sais pas si tu te rends compte qu'il a quand même fait un pas de géant. Il a libéré ses blocages, surtout ses blocages émotionnels qui le tenaient dans des relations, surtout qui étaient dans des répétitions de schémas intrusifs, toxiques, et que grâce au temps, pardon, a accordé gestation, nouveau projet. Regarde. Elles sont tellement belle. C'est vous ça, regarde, c'est toi et l'autre. Tu peux douter encore de cette avancée, tu peux douter encore de l'autre parce que tu n'as pas de ces nouvelles, mais une chose qui est sûre, c'est que je te donne l'envers du décor, je te permets de pouvoir voir là où lui ou elle en est aujourd'hui, qu'il se dépasse, il débloque, il ne veut plus être dans ses répétitions de schéma, il accepte totalement l'amour qu'il a pour toi. Peut-être qu'il s'éveille aussi, également. Pas forcément, mais ça peut arriver. En tout cas, il prend conscience des choses, en fait. Ben oui, blocage de la mémoire de l'enfance. Tu le sais, même mieux que moi. Il a beaucoup été dans le déni. Il a véritablement été profondément dans le déni et qu'il ne pensait pas que ces blocages venaient de sa vie d'avant, d'où il venait. Plus il en prend conscience, plus il vibre l'amour pour toi, plus il avance sur son chemin, plus il se réalise, plus il avance vers toi. Parce que tu avances pour toi. Tu sais, c'est ce 1 plus 1 égale 3. On l'a trompé, on l'a trompé, on l'a trahi, on l'a meurtri. Il a vraiment pris cher, hein. Il a en plus peur de l'engagement. Mais il va... Alors, je trouve que celle-ci, elle est juste d'une... Vers l'amour inconditionnel, je t'aime, toi, bien plus que je peux aimer n'importe qui, mais je dois avant tout m'aimer moi-même pour pouvoir t'aimer comme tu le mérites. Je dois continuer à me libérer de mes blocages émotionnels pour être en harmonie avec toi demain. Tant que je ne suis pas dans cette harmonie, je ne peux pas avancer vers toi. Aussi simplement que ça. Donc... Le 1 plus 1 égale 3 indique que le 1 plus 1, c'est ton chemin qui fait son chemin parce qu'il se réalise. Donc, tu avances dans le bon sens. Qui fera le vôtre demain, pas aujourd'hui, mais demain. Donc, ne perds pas de vue, continue, avance, permets-toi d'être heureuse indépendamment de lui, permets-toi d'aller vers l'amour inconditionnel indépendamment de l'autre et vous vous retrouverez. N'oublie pas, hein, je te le montre ici. Hein. Vous êtes les mêmes. Vous êtes dans cette dualité, mais vous êtes identiques.